Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Marilyn et le DP de Cuper. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo partenariat. Je sais, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais début juillet, j'ai une société qui m'a contactée. J'ai mis mon petit carnet ici. Alors, la société, c'est la société. Alors, je ne sais pas le prononcer, donc je vais vous dire les lettres. Donc, le partenariat, c'est avec WISF. WISF. Je veux dire ça comme ça, c'est une société qui vend, ça n'a rien à voir avec le DP, c'est une société qui vend des sacs en lin de très très bonne qualité. Franchement, je suis tombée amoureuse, donc ils m'ont contactée, j'ai été regardée sur leur page, enfin sur leur boutique, et franchement, je suis tombée amoureuse de leurs sacs. Ils sont magnifiques, il y a des modèles sublimes, franchement. J'ai pas pu craquer, j'ai pas pu tenir, j'ai craqué. Donc, ils m'ont proposé de faire une sélection de 3 sacs. Donc, j'ai pris 3 sacs en fonction des thèmes de mes prochains partenariats, de mes prochains défis. Comme ça, je pourrais les intégrer au cadeau que j'offre pendant mes défis. Sauf un que je vais garder parce que vraiment, il est magnifique. Et moi, j'aime bien, je suis pas trop... vous voyez, quand on va dans les magasins, ils me donnent, soit on m'achète, soit ils me donnent des plastiques. Et moi, les plastiques, je ne peux pas. Ça, c'est un truc que je ne peux pas, je ne supporte pas, parce qu'après, voilà, c'est pas écologique. Donc, moi, j'ai toujours des petits sacs en tissu réutilisables que je lave. Je m'en sers pour mes légumes quand je vais au marché. Quand je vais au supermarché, ben, je mets souvent tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est traiteur, donc charcuterie et tout ça. J'ai un sac pour mettre la charcuterie. J'ai un autre sac en tissu un peu plus épais où je mets tout ce qui est ma viande. Enfin bref, voilà, je réutilise. Enfin, je n'achète pas de sac réutilisable. Donc, quand j'ai eu ce partenariat, je me suis dit, oups, ah là, oui, il faut que je craque, il n'y a pas. Donc, je vais vous montrer les 3 sélections. Alors, sachez que les sacs à l'unité sont à 5,99. Il faut compter... Pardon, entre 25 et 55 jours de livraison. Moi, j'ai été contactée mi-juillet. Le temps d'envoyer ma petite sélection et tout, on était vers les alentours du 20 juillet. Et je les ai reçus aujourd'hui. On est le, je sais plus, le 8, le 7, le 8, le 8 peut-être. Donc, ça a mis à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc, normalement, sur le site, ils disent bien que c'est entre 25 et 55 jours. J'ai fait mon petit bloc-notes pour ne pas oublier des choses. Donc, vous verrez dans la sélection, sur le site, une sélection. Donc, en haut à gauche, vous verrez une petite barre. Donc, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les sélections de dessins qu'il y a sur les sacs. Et en bas, ce qui est très bien, ils font des personnalisés. Donc, vous pouvez personnaliser vos sacs. Donc, vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous envoyez la photo ou les inscriptions que vous avez besoin et ils vous le font en personnalisé. Par contre, je crois que le délai là, il est un tout petit peu plus long. Sinon, le sac en lui-même, avant que je vous les montre. Alors, c'est des sacs un peu fourre-tout. Donc, il faut 40 par 40 cm. Et la anse fait 70 cm. Donc, c'est 2 anses. Alors, en regardant bien, en fait, les 2 anses, 70 cm, c'est pour le complet. Ils sont en lin. Donc, ça, c'est très important. Franchement, le lin, moi, j'adore. C'est une matière que je kiffe. Ils sont en lin, respectueux de l'environnement. Et les teintes qui sont utilisées... pour les dessins qu'il y a dessus, sont inoffensifs. Alors, sinon, ils vont aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Qu'est-ce que je devais vous dire aussi? Donc, les différents thèmes qu'ils ont. Donc, ils ont beaucoup de thèmes, vous allez voir. Moi, j'ai craqué, vous me connaissez pour ma passion, hein, les chats. Donc, forcément, j'ai craqué sur un chat. Alors, ils ont des animaux. Donc, ils ont les chiens, les chats. Ensuite, ils ont des paysages, des personnages, ils ont du dessin animé, donc ce qui est intéressant pour les enfants, mon bandeau il est de travers, je suis désolée, la flemme de faire mon brushing ce matin, je me suis dit, allez on va mettre un petit bandeau, ça va changer un peu, mais ça va, ouais c'est bon, ça passe, donc je reviens, ils ont des dessins animés, alors j'ai pas trop regardé, mais je pense pas qu'il y a de Disney, c'est beaucoup de dessins animés, vraiment films, dessins animés de télé. Ensuite, ils ont tout ce qui est fleurs, déco, paysages et ils ont des lettres aussi. Donc, ça, j'ai trouvé super sympa. Et donc, il y a la possibilité de personnaliser. Donc, voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Je remercie grandement cette société. Vous allez voir, vous allez craquer, obligé, vous allez faire un tour sur le site. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai les liens
dans la barre de description, ainsi que les prix. Donc, j'ai bien dit, c'est 5,99. On y va. Donc, le petit colis est là. Donc, je l'ai juste ouvert pour être sûr que c'était bien ça. Donc, nous avons un sac, deux sacs et trois sacs, mais trois sélections. Donc, on va commencer pas par celui que j'ai craqué, je vais commencer par celui-là. Donc, j'ai pris un thème Christmas. Donc, pour Noël, pour le défi de Noël, forcément. Donc, super bien emballé, hein. Vous voyez, c'est bien plastifié, ils sont bien pliés. Franchement, c'est nickel, ça sent pas. Je ne vais pas faire des sachets dans des pas comme ça. Désolée pour le bruit. Ça ne sent pas. Et non, ça ne sent pas les produits chimiques. Super. Oh, il est trop mignon. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Et oui, un chat. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les chats, mais moi, les chats, c'est toute ma vie. Regardez-moi ce joli petit chat. Il est magnifique dans sa petite botte de Noël, là. Il est superbe. Écoutez, la qualité du produit, franchement, ah ouais, il n'y a rien à dire. Donc, les coutures sont très, très bien, franchement. Il n'y a pas de souci au niveau des coutures. C'est un tissu très épais. Ouais, c'est vraiment... c'est de la qualité. Hein. Ah, il n'y a rien à dire. Les anses. Vous voyez, c'est du costaud. Hein. Donc, voilà. Donc, 40 par 40, je pense que c'est les bonnes tailles. Vous voyez. Ouais, vraiment top du top. La hanse, elle est bien longue, vous voyez. Et franchement, vous pouvez en mettre dedans. Hein. Pour un fourre-tout, oh, ben, je reviens pas de la taille. Il est magnifique. Ah, la qualité, elle est superbe. Ah, j'avais pas vu le petit détail en bas. Regardez. Merry Christmas. Ah ouais, franchement. Oh, il est trop mimine. Oh là là. Regardez pour mettre les cadeaux aux enfants. Oh, quand vous n'avez pas trop de place, quand il y a le sapin de Noël, et ben vous mettez un sac comme ça à chaque enfant avec une petite étiquette du prénom et vous mettez tous les jolis cadeaux de Noël dedans. C'est pas sympa ça. Puis ça fait un cadeau pour les parents aussi. Franchement, c'est... Oh, ah, il est vraiment beau. Ah, j'ai craqué sur celui-là. Donc, le premier. Le deuxième. Alors, il n'est pas emballé dans le même sachet. Bizarre. Tiens. Sur le sachet, bah, vous avez juste la référence. Hein, du... Ouais, juste la référence. Ça ne sent pas. Alors, le deuxième, c'est pour le prochain défi. Donc, le défi d'Halloween. Et regardez-moi cette petite beauté. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Oh là là. Un petit gnome. Oh, j'adore les gnomes en plus. Oh, il est trop mignon. J'ai l'impression qu'il est plus petit que l'autre. Attendez, attendez voir. Attendez voir. Non, non. Non, non, c'est une impression parce que celui-là, il est blanc. Et celui-là, il est plus dans les teintes foncées. Donc, regardez-moi ce petit gnome comme il est mimine. Regardez-moi cette petite bouille. Il n'est pas mimine. Oh là là, il est trop joli. Oh, j'adore la qualité, franchement. Oh, je suis surprise de la qualité, vraiment. Et c'est pas rêche, vous savez. Quand on a fois des... On achète des sachets, des sacs comme ça, réutilisables. Souvent, c'est la coloration qui est dessus, c'est un peu dur. Mais là, vous voyez, c'est super souple. Vous voyez, c'est vraiment du lin, quoi. C'est vraiment... Oh, j'adore. Regardez-moi cette petite beauté. Oh là là. Oh, il est trop mimine. Faire les courses, là. J'adore. Donc, pareil, hein, les hanches, 70 cm, 40 par 40. Donc, c'est les deux côtés de la même... j'ai oublié de vous le dire pour l'autre. Hein. Les deux côtés, c'est le même dessin. Donc, voilà. Oh, franchement... Ah, il est trop beau. Il est trop beau. J'adore. Ah ouais, mais moi, je ne peux pas craquer pour les trois. C'est pas possible. Et le dernier. Donc, ça, c'est ma sélection. C'est pour moi. Ah, c'est pour moi faire mes courses. Ah, j'adore. Oh là là, il n'est même pas déballé. J'adore déjà le dessin. Oh là là, là là. Oh, petit chat japonais. C'est très kawaii, hein, je vous le dis. Oh là 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 là. Il est trop bello. Oh là là, cette petite bouille. Oh là là, regardez-moi cette petite bouille. Le petit chat japonais. Vous savez, quand on va des fois dans les restaurants chinois, sur les comptoirs, on voit les petits chats comme ça, avec la tête qui bouge comme ça. Nous, on avait ça en chien dans les années 80, à l'arrière des voitures, vous vous rappelez. Là, c'est le petit chat. Normalement, c'est la statuette du chat porte-bonheur au Japon. Oh, il est trop mignon. Regardez-moi avec ce petit sourire et tout. Oh, il est trop beau. Donc, des deux côtés, le même dessin. Avec sa petite patoune, là. Et oh, il y a une petite carcoy ici.
Oh, il est trop joli, j'adore. Oh là là. Bon, ben, je crois que cette boutique, je vais craquer souvent, hein, parce que vraiment, ils ont des sélections de sacs, d'images sur les sacs. Il y a aussi pas mal de peintures abstraites. Il y a pas mal de tableaux connus aussi. Vous verrez la sélection qu'ils ont, c'est incroyable. Franchement, oh, je suis super contente qu'ils me contactent parce que vraiment, oh, il est trop mignon. Dites-moi ce que vous en pensez, mais oh, je craque, je craque, je craque. Oh là 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 là. Ah ben celui-là, je crois que ça y est, il va devenir mon sac officiel. Ah ouais. Ah, c'est mon sac officiel. Ah ouais. Franchement, regardez-moi ça. Je vais me lever un peu. Regardez-moi ça comme il est beau. Même pour aller à la plage, mettez votre serviette de bain et tout dedans. Ou à la piscine, gardez. En plus, ça sèche très vite puisque c'est du lin. Oh, moi, j'adore. J'adore. Oh, je vais m'en faire craquer plus d'une avec ces petits sacs, moi. Donc, voilà ma petite sélection. Eh bien, franchement, je ne suis pas déçue. Du tout, du tout, du tout. Oh, je suis trop contente. Merci, merci beaucoup à cette société. J'espère qu'ils me referont confiance parce que j'ai fait une petite présélection. J'ai mis dans mon panier. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts. Tellement ils sont beaux. Et ben voilà. Donc, je mettrai tout dans la barre d'infos, comme d'habitude. Je mettrai les liens, je mettrai le tarif. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas de m'envoyer un petit MP et j'essaierai de vous répondre au mieux ou vous indiquer comment procéder avec le site. Je ne peux pas vous montrer le site avec le deuxième téléphone parce que forcément, le deuxième téléphone n'est pas chargé. Ça, c'est tout moi. Et puis voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, profitez des vacances. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye.